What's up les gens, c'est mon gamer du 57 pour un nouveau tuto. Alors cette fois pas de redstone ni rien, juste besoin d'un piston, d'un armor stand, enfin vous verrez, pour créer ça. Bon, je sais ça a pas trop l'air d'un PC là, mais voilà. En fait c'est pour faire un petit PC de décoration, hein, pas que vous pourrez utiliser, hein. Faut pas pousser un peu trop loin le bouchon, hein. Alors, pour ça il vous faudra un armor stand ou deux si vous voulez faire un gros clavier, un bloc de quartz, enfin un autre aussi, un piston, ça je l'ai rajouté par erreur parce que j'ai testé un truc, un tableau, un bloc de redstone, un bouton et un ou deux casques en maille. Alors pour commencer vous allez faire un trou comme ça, voilà, mais pour ça il faut que l'armor stand soit bien posé, sinon cela ne marchera pas. On pose le casque, on monte. Un bloc comme ça, pardon, je l'envoie un petit peu enroué. Vous placez un bloc comme ça et un piston normal comme ça. Vous mettez bloc de redstone, et là, oh mon dieu, la magie! Voilà, c'est tout. Ensuite, ça peut aussi faire une table d'échec et mat. Hein. Allez, alors, je place le cavalier là, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que je pensais déjà? Ah oui, alors par contre, pour faire le double, je tiens à dire, je suis ultra mauvais. Mais en gros, ouais, c'est censé ressembler un peu à ça. En tout cas, moi j'ai essayé de regarder chez Furious Jumper, pour ceux qui le connaissent. Mais en gros, eux, ils sont censés être attachés. Mais si vous voulez faire une souris, vous avez qu'à vous placer comme ça. Et mettre un bouton en pierre. Ensuite, là, tu connais le concept, hein, tu mets deux blocs avec ça et ça. Mais sinon, moi, je préfère avec les trappes de fer. Par contre, je sais plus comment on fait déjà, parce que ça fait un bail que. Mais du coup, moi, ce que j'utilise, ce sont les dalles qui font plus magnifique. Voilà. Allez, ciao les gens.